plonge maintenant à gauche. Garde pour l'instant ton allure, laisse-toi élargir encore un petit peu. Là, tu peux relancer, partir à gauche. Et prendre un léger frein en rentrant dans le virage. Voilà, sur le petit filet de gaz. Garde tranquillement sur la droite. Passe un petit peu sur la crête aussi. On va élargir, bien à gauche. Et on revient un peu à droite. Les freins. Tout doucement, on relâche, on tourne. Et n'ajoute pas plus d'angle de volant. Voilà. On se laisse porter. Super. Et là, on redresse tranquillement, on élargit. Progressivement, on relance. Et vas-y, franchement. Les freins forts. Constant pour l'instant. Et soulage tranquillement. Impeccable. Bon, ça va être mieux en mieux. Je suis plus à l'aise. Ça se ressent, comme on dit, je crois qu'on a pris un petit peu la technique. Hein, c'est, ah, tu vois, ouais. Tour par tour, ça va de moins en moins forcément. Hein. Ah, ouais. On va pouvoir également doubler sur la gauche. Les freins. Garde la pression, la position, et tranquillement. On va être plus dans la cluster party qui reste devant pour le moment. On va pouvoir se venir à droite, freiner un peu. Et envoyer sur la gauche maintenant. Bon, laisse-toi à nouveau élargir. Stabiliser, garder cette distance à nouveau et on peut doubler sur la gauche. L'appareil reste bien sur l'intérieur, on va oublier la trajectoire pour l'instant, on peut couper la route. Voilà, ça coupe. Un petit peu de frein. Super. Et on profite à nouveau de la largeur de piste. On revient maintenant sur la droite, on regarde sur le point de sortie. Le point sur la gauche, on nous rejoint. Et on revient à droite. Super. Un nouveau les freins. Garde un petit peu de pression pour rejoindre le premier plan. Et stabilise ensuite ton avant. Ah, c'est ça que je vois. Tu relances, il y a des moments, ouais. Tu vois un petit peu maintenant le timing. Ouais. Et vas-y, reprends. Les freins forts. Garde la pression et soulage tout doucement. Ensuite, le petit maintenant, j'ai compris ça. Tu vois aussi le côté un petit peu dégressif aussi. Ouais, en fait, c'est presque naturel. Bon, une fois qu'on a compris le principe, ouais, ça se fait bien et ça a justement une fluidité. Là, je le sens, là, seulement maintenant. Et là, voilà, on se laisse un peu élargir pour faire. On revient sur le gauche, les accélères. Les freins. Encore, et on soulage en tournant. Voilà, on profite un peu d'allarger. On revient maintenant à droite. Là, tu vas pouvoir freiner. Venir à gauche et juste après ce virage, on va se mettre sur la droite, on va garder la vitesse et on va rentrer tranquillement dans les stands. Bon, alors c'est Ferrari. Oh, c'est top. Ah, régal, hein. Ah, franchement, rien que j'avoue.